Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment peut-on voir la répartition de vos fichiers, de vos fichiers lourds ou moins lourds sur vos ou votre disque dur. Donc on va utiliser ce logiciel WinRStart. Donc là déjà on arrive tout de suite, on voit la répartition de nos deux disques durs, donc au bout de combien de pourcentage ils sont remplis et combien a-t-il de gigas à l'intérieur. Donc là, tout simplement, on peut aussi voir en bas qu'on peut chercher par dossier, mais là, on veut voir sur l'ensemble du PC. Donc là, vous pouvez voir en bas que ça va charger, donc ça va prendre un peu de temps. Je vais couper. Pour le logiciel, pas de souci, je vais le mettre dans la description. On se retrouve un peu après, car le chargement dure quelques minutes. Donc là, le chargement a duré une minute et quelques secondes. Donc là, on peut voir trois choses qui apparaissent. Donc déjà, en haut à gauche, ça va être la répartition, donc sur le bureau, en combien de gigas total il y a sur votre PC. Donc là, on peut voir donc les fichiers, les sous-fichiers, etc. On peut ouvrir pour voir les différents fichiers qu'il y a dans les disques durs. Donc la Steam qui prend le plus de place, hein, excusez-moi, avec beaucoup de pourcentage. GTA 5, pareil. Donc là, on peut voir à peu près toutes les informations. Pareil pour mon autre disque. Donc c'est là qu'on peut vraiment voir si vous avez des disques ou des fichiers complets et vous ne savez pas vraiment à quoi ça sert. À droite, vous pouvez voir le nombre et le type de fichiers utilisés, donc les points quelque chose. Donc voilà, en bas vous avez donc ce qui est dit arbre, donc tout ce qui compose votre disque dur. Donc plus c'est gros, plus c'est un fichier gros, plus c'est petit, plus c'est petit comme fichier. Donc voilà, c'est un logiciel qui est vraiment très utile si vraiment votre disque dur est complet et vous ne savez pas d'où vient donc tous ces gigas en trop. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, ciao!